Je vais vous montrer comment concevoir un placard pratique à mettre en place dans une chambre ou dans une cuisine. Pour ma part, c'est dans une cuisine, dans un angle mort, pour moins de 200 euros. Pour ce faire, nous aurons besoin de 6 tablettes, de 30 cm de profondeur sur 1,20 m, deux portes de 61 cm sur 2,45 m de haut. Si elles sont plus grandes, ça n'a pas d'importance parce que vous pouvez les redécouper à la hauteur de votre plafond. Alors, les portes coulissantes sont livrées avec un rail supérieur et un rail inférieur. Une planche latérale de 40 cm sur 2,48 m de haut. 18 équerres de 30 cm. 3 règles de fixation d'une hauteur de 2 mètres. Pour le montage du placard, tournevis cruciforme, un triple mètre. Si vous avez un mur de béton, il vous faudra des mèches solides et une perceuse à percussion. Alors, comment on va décomposer la chose? On a un rail inférieur, ici, un rail supérieur. Comme vous pouvez le constater, ce rail supérieur vient en butée de la planche latérale droite. Planche latérale droite qui sera supportée, fixée par deux équerres à l'intérieur. Équerre de 3 cm. Une vis de fixation sur le mur, deux vis de fixation sur la planche. Ici, je n'ai pas mis deux vis sur le mur parce que les trous étaient trop proches, seraient déformé le mur et je me serais retrouvé avec un gros trou. Donc, comme la planche est non support, elle ne sert qu'en butée, je n'ai besoin que d'une vis de soutien pour l'équerre. Pour cette armoire, j'ai mis deux équerres. La première équerre, 88 cm. La deuxième équerre, 2,01 m. Alors, ces équerres, si vous ne savez pas, si vous avez des difficultés à les placer, il faut absolument vous essayer d'avoir 3 tiers à peu près équivalents. Comme ça, ça vous permettra d'avoir un équilibre dans le soutien de la porte. Cette planche fait 40 cm sur 2,48 m de haut. Donc, ne faites pas comme moi. Vous pouvez regarder qu'il y a un jour en haut. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rail supérieur arrive à champ de la planche de butée. Le rail inférieur, lui, arrive ici, un décalage de 2 cm par rapport au rail supérieur. Le rail supérieur arrive en butée. Le rail inférieur arrive 2 cm en retrait. Comme vous pouvez le voir, mon rail est fixé par des vis sur une petite planche que j'ai prédécoupée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu percer le carrelage. Donc j'ai mis cette règle en bois avec un scotch double face. Comme ça, quand je partirai, je ne laisserai aucune trace. Mon rail inférieur a 5 vis de fixation. Mon rail supérieur en a 3. Pourquoi? Il ne sert que de guide. Le rail inférieur sert de support pour maintenir les portes qui sont relativement lourdes. Alors, vous avez des tablettes. Il va y avoir un poids conséquent sur toutes vos étagères. Ne lésinez pas sur les vis d'attache murale. Si vous mettez des vis trop petites partout, le tout risque de s'arracher. Donc, moi, j'ai opté pour des vis cruciformes de 50 mm. J'ai réparti 3 vis sur chaque règle. Donc, ça me fait un bon maintien. Ne pas oublier les charges lourdes, vous les mettez en bas. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 règles verticales. Mais vous avez des équerres. Moi, j'ai opté ça, c'est très facile de pose. Vous les en fichez. Vous les laissez tomber, ça tient. Bon, vous fiez pas au jeu. Le poids est réparti sur 3 équerres. 1, 2, 3. Et ça s'enlève si vous devez déménager facilement. 3 équerres par étagère. J'ai 6 étagères. 3 x 6, 18. Il me faudra 18 équerres pour 3 régler. Répartis à votre convenance. L'espace entre chaque équerre, ça dépendra de vous et des objets que vous mettrez à l'intérieur. La particularité de ce genre de réglette, c'est que vous pouvez les enlever et les mettre à n'importe quelle hauteur. Vous voyez, l'écart ici est à peu près de 10 cm. Si je le mets là, tout de suite, on a 40 cm.
Pour le montage, vous aurez besoin de deux tournevis, un cruciforme et un plat. Ça dépendra de ce que vous utiliserez dans tous les cas. Personnellement, j'ai opté pour les cruciformes. Vous aurez également la scotch double face. Personnellement, je vous conseille un triple mètre et non pas un double mètre, car la hauteur sous plafond dans la plupart des appartements est de 2,50 m approximativement. Donc si vous avez un triple mètre, vous pourrez prendre votre mesure en une seule fois et non pas deux. Comme ça, ça évite de faire les erreurs. Alors surtout, lorsque vous poserez votre rail supérieur et votre rail inférieur, vérifiez que la distance du rail jusqu'au mur soit identique à droite et à gauche. Pour le rail inférieur, vous veillerez à ce que ce soit la même chose, c'est-à-dire la même distance du bord jusqu'au mur. Du bord jusqu'au mur. Là, on peut avoir un avantage avec des carreaux, c'est que vous avez des lignes, les joints des carreaux qui peuvent vous servir de guide pour l'alignement du réglé. Mais dans tous les cas, prenez votre triple mètre pour mesurer la distance. Comme vous pourrez le constater, vous avez des petits réglés avec un petit coude vers le haut. Ça empêche la tablette de glisser. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la planche est retenue par les trois équerres et non pas par la planche latérale. Alors, une petite astuce pour éviter d'abîmer le carrelage. Si vous avez des chutes ou si vous avez un revêtement qui traîne quelque part, vous pouvez le prendre, vous le positionnez au fond du placard et ça vous fait un plan de support pour ne pas abîmer le carrelage. Maintenant, on va passer à la mise en place des portes. Bon, les portes sont légères. Mais bon, une femme toute seule, ça ne sera pas possible. Ou alors, il faut que vous soyez deux. Pour la mise en place, on commence en premier par la porte du fond. La porte qui va être au fond du placard. Et pour ce faire, vous la mettez en blocage sur votre pied. Vous la faites pencher délicatement devant vous. Et vous venez l'enticher dans la glissière arrière. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme vous pouvez le constater, pour l'instant, mon rail n'est pas mis. Il est juste positionné. Je vais venir mettre en position les roulettes qu'il y a devant, en bas de chaque porte, afin qu'elles puissent se mettre dans le rail qui lui correspond. Je lève ma porte. La porte coulisse. La porte est correctement mise. En haut, j'ai positionné des feutres autocollants. Ça permet ça permet à l'armoire de glisser correctement sans entrechoquer, entendre des gros bruits lorsqu'on fait glisser les portes. Deuxième porte, pareil. Je ne me mets pas trop loin du placard. Je mets mon pied pour bloquer la porte. Je penche la porte coulissante. J'essaye, je l'enfiche dans la glissière. Je la rapproche. Je la mets en position. Je la soulève de chaque côté. Et j'essaie de venir, avec mes doigts, de détecter le rail afin que les roulettes puissent venir se mettre correctement dans le rail. Voilà. Ma porte est correctement mise. Okay. Ce type de placard, très pratique, vous pouvez le positionner où vous voulez, ne vous coûtera pas plus de 200 €. Alors, comme dans toute maison, vous avez ce qu'on appelle des plinthes. Et si vous ne prenez pas garde à prévoir la coupe pour votre planche, vous allez être embêté. J'ai donc fait un dégagement de 2 cm sur 12 cm pour éviter que ça vienne embuter sur la plinthe. Pour la plinthe latérale du placard, le rail viendra embuter dessus. Vous pouvez mettre, pour combler cet espace, une moulure qui part du sol au plafond. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vous avoir démontré qu'on peut joindre l'utile à l'agréable à peu de frais. Peut-être à une autre fois. Ciao !